Un véhicule mal entretenu pollue plus. Réponse A. Risque de tomber en panne. Réponse B. Ne risque pas de tomber en panne. Réponse C. Consomme plus. Réponse D. Alors, si on entretient mal son véhicule, donc forcément on va polluer plus. Donc faites attention toujours entre plus et moins. Donc là, on pollue bien plus. Donc forcément, si on entretient mal son véhicule, on risque de tomber en panne. Donc par exemple, comme sur la photo, si on n'a pas assez d'huile, on risque de casser le moteur. Donc forcément, on risque de tomber en panne. Du coup là, ce n'est pas bon et comme on pollue plus, on consomme plus aussi. Donc c'est pour ça, c'est important de bien entretenir son véhicule. Donc bonne réponse A, B et D. Le feu de croisement droit éclaire plus loin que le feu de croisement gauche. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Les feux de croisement doivent éclairer au minimum à 30 mètres. Réponse C. 50 mètres. Réponse D. Alors, ce qu'il faut savoir, donc les feux de croisement, donc de chaque côté, n'éclairent pas de la même manière. Donc oui, le feu de croisement côté droit va éclairer beaucoup plus loin que le feu de croisement à gauche. Je vous rappelle, on utilise quand il n'y a pas d'éclairage, les feux de croisement pour croiser un véhicule. Donc justement, le feu de croisement ne va pas éclairer à gauche, il ne va pas éclairer très loin, pour pas trop éblouir celui qui arrive en face. Par contre, celui à droite va éclairer un petit peu plus loin pour bien voir le bord droit de la route. On le voit sur la photo. Vous voyez ici, ça éclaire pas forcément très loin. Et là, à droite, on voit que ça éclaire beaucoup plus loin. On voit beaucoup plus loin de côté de la route, qui est ici sur notre gauche. Donc ça, c'est vrai. Alors, les feux de croisement doivent éclairer au minimum, donc sur... minimum à 30 mètres. Donc forcément, c'est mieux si ça éclaire plus loin, mais au minimum à 30 mètres. Donc bonne réponse A et C. Il existe un danger potentiel dans la zone A, réponse A, zone B, réponse B. Je réduis mon allure. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Alors, dans la zone A, est-ce qu'il y a un danger potentiel? Donc, qu'est-ce qui se passe? On a donc un camion livreur qui est arrêté sur le trottoir. Donc, le trottoir est réservé aux piétons. Donc, qu'est-ce qui pourrait se passer? Donc, un piéton qui marche sur le trottoir et qui n'a peut-être pas forcément la place de passer entre le camion et la barrière ou le mur. Qu'est-ce qu'il risque de faire? Il risque de contourner ce camion pour continuer son chemin ou même de changer de trottoir. Donc, forcément, on a un danger potentiel justement depuis un piéton en surjus. Et surtout, on ne le voit pas à cause du camion. Donc oui, il y a un danger potentiel dans la zone A. Dans la zone B, donc on a le livreur qui va sûrement descendre de son chemin. Donc qu'est-ce qu'il pourrait faire? Forcément, il pourrait descendre et se mettre tout d'un coup à traverser sans forcément regarder pour aller livrer éventuellement un magasin sur la gauche. Donc voilà, toujours un piéton, c'est toujours quelqu'un qui est susceptible de changer de direction à tout moment. Et il peut aussi traverser sans regarder. Donc, on a bien des dangers dans les deux zones. Donc, bonne réponse A et P. Donc, comme il y a des dangers forcément potentiels, on va réduire son allure forcément. Donc, bonne réponse A, B et C. Le conducteur de ce véhicule qui recule me voit. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je klaxonne et passe. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors pour savoir ça, nous il faut essayer de voir la tête du conducteur. Du coup, si on voit la tête du conducteur inversement, le conducteur peut ne voir. Là, le problème, on ne voit pas sa tête. Et dû aussi à cette petite barrière, il ne peut pas forcément ne voir. Donc, ce conducteur me voit? Non. Donc c'est pour ça aussi qu'il continue à reculer, puisqu'il ne m'est pas vu. Alors, est-ce que je klaxonne et passe? Alors, c'est vrai que lorsqu'un véhicule manœuvre, il n'est pas prioritaire. Prioritaire à celui qui circule entre guillemets normalement. Sauf qu'est-ce qu'il est préférable, est-ce qu'il est préférable de klaxonner et de passer, ou plutôt de s'arrêter, de laisser finir la manœuvre au véhicule? Donc, je vous rappelle qu'en ville, le klaxon est interdit, sauf en cas de danger immédiat. C'est-à-dire qu'on ne peut pas éviter le danger autrement qu'avec le klaxon. Donc là, dans ce cas-là, en plus, on est sur apparemment sur un parking. Donc, notre allure doit pas être très élevée. Donc, on doit très facilement pouvoir s'arrêter. Et du coup, laisser terminer la manœuvre de ce véhicule. Donc, il ne faut pas klaxonner. Donc, il ne me voit pas et je ne klaxonne pas. Donc, je ne passe pas. Donc, B et D. Le rôle de l'ESP, contrôle de trajectoire, est de corriger la trajectoire du véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. Favorise la conduite sportive. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, l'ESP, donc c'est le contrôle de trajectoire. Donc, qu'est-ce que c'est? Donc, ça permet au véhicule, si jamais on a une perte d'adhérence, notamment dans un virage, le véhicule se met à déraper un petit peu. Donc oui, ça permet de corriger la trajectoire, mais le véhicule, entre guillemets, dans le bon chemin. Alors forcément, ce système a ses propres limites. Forcément, c'est pas parce que j'ai l'ESP que je peux avoir une conduite sportive. Je vais pas pouvoir prendre forcément le virage à 200 km/h. Donc ça a ses limites. Donc il faut pas user de ce contrôle de trajectoire. Il faut toujours rouler normalement en sécurité. Vraiment l'ESP s'enclenche que vraiment en cas exceptionnel. Donc oui, ça corrige la trajectoire lors d'un dérapage. Mais forcément ça ne favorise pas la conduite sportive. Donc bonne réponse A et D. Lors de mon installation, je règle le volant de façon à ne pas masquer les compteurs. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors forcément, c'est une question de logique. Quand on règle la hauteur du volant, forcément, il ne faut pas mettre trop pour pas masquer la visibilité des compteurs. Forcément, c'est une question de logique, bien sûr. Donc oui, bonne réponse A. Cette conductrice se comporte correctement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, que fait cette conductrice? Elle est en train de décrire un message avec son téléphone portable en conduisant. Donc forcément, c'est très dangereux parce que ses yeux sont rivés sur le portable et elle ne regarde pas ce qui se passe devant elle. Et forcément, c'est un danger et ne pourra pas voir le danger. Donc, ne pas l'éviter. Des choses aussi, elle n'a pas les deux mains sur le volant. Donc, forcément, elle ne se comporte pas correctement. Donc, bonne réponse B. Pour avoir une conduite économique, je passe mes vitesses toujours au même régime moteur. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Alors, pour avoir une conduite économique, forcément, donc, il ne faut pas être ce qu'on appelle en sous-régime. C'est-à-dire que le véhicule, le moteur tourne trop lentement. Donc là, il va avoir du mal à entraîner la voiture. Donc, elle va consommer beaucoup de carburant. Et inversement, il ne faut pas être en sur-régime. C'est-à-dire que le moteur tourne trop vite. Même chose, on va consommer trop de carburant. Donc, il faut toujours être en bon régime moteur. Donc oui, pour avoir une conduite économique, on va passer à la vitesse toujours au même régime. C'est-à-dire au bon régime qu'il faut. Donc je vous rappelle, pour un moteur diesel, c'est environ 2000 tours par minute. Et un moteur essence, c'est environ 2500 tours par minute qu'on va changer une vitesse. Donc, forcément, c'est toujours au même régime moteur. Donc, bonne réponse A. Ce piéton crée une zone d'incertitude. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je ralentis. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, un piéton, donc, est-ce que ça crée une zone d'incertitude? Oui, on a vu à l'instant. Donc, un piéton ne sait jamais ce qu'il peut faire. Donc, cette dame peut continuer son chemin de ce côté-là. Et à tout moment, il peut décider à traverser juste là. Donc, oui, on ne sait jamais à 100% ce que va faire un piéton. Donc, c'est ce qu'on appelle une zone d'incertitude. On n'est pas certain. Donc, oui, et du coup, bien sûr, je ralentis au cas où qu'il traverse tout d'un coup. Bon, donc, bonne réponse A et C. Les bagages lourds se placent sur la plage arrière, réponse A, sur les sièges, réponse B, dans le coffre, réponse C. Alors, les bagages lourds, donc il faut de préférence les placer dans un endroit où c'est sécurisant dans la voiture. C'est-à-dire, donc, il ne faut pas qu'en cas de freinage, ça devienne des projectiles dangereux. Donc, si jamais sur la plage arrière, ce qui est au-dessus du coffre, donc forcément, en cas de freinage brutal, ces objets vont être projetés vers l'avant. Donc, forcément, ça peut devenir des projectiles très dangereux. Même chose si on les met sur les sièges. Ça va basculer vers l'avant, il n'y a rien qui va les retenir et éventuellement, si on veut mettre ça réellement dans la voiture, on les met entre les sièges. Voilà, pour que ce soit bien calé. Mais on met ça forcément de préférence dans le coffre, même pour le maintien d'équilibre de la voiture. C'est mieux donc bien sûr de préférence dans le coffre, mais jamais sur la plage arrière, ça c'est beaucoup trop dangereux. Évitez aussi sur les sièges. Du temps entre les sièges. Donc, mon réponse, C. Parmi tous les conducteurs, 1 sur 20 voit très mal et l'un l'ignore. Oui, réponse A. Non, réponse B. Donc oui, un conducteur environ, un conducteur sur 20 voit très mal et ne le sait pas. Pourquoi? Parce que donc quand on passe le permis, donc on fait un test de vue, mais malheureusement, donc avec l'âge, la vue généralement baisse. Donc forcément, quand on est un peu plus âgé, on pense toujours bien voir, mais si on ne fait pas régulièrement contrôler sa vue, on ne peut pas, on s'habitue forcément à notre vision. Et quelqu'un qui voit mal, entre guillemets, s'habitue à y voir mal. Donc il le fait, mais il ne le sait pas forcément. Donc oui, environ un conducteur sur 20. Donc bonne réponse A. Je dépasse. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Alors, pour effectuer un dépassement, donc il y a toujours trois choses à vérifier. Donc, la toute première chose, c'est est-ce que j'ai le droit? Est-ce que j'ai l'autorisation d'effectuer un dépassement? Donc, qu'est-ce que ce qui peut me dire oui ou non? Donc, on a la signalisation. Donc, ce qu'on appelle déjà dans un premier temps la signalisation horizontale, c'est-à-dire le marquage au sol. Donc là, le marquage au sol, si des pointillés m'autorisent à dépasser. Donc la signalisation horizontale, pas de souci. On a aussi ce qu'on appelle la signalisation verticale, c'est-à-dire vers le haut, c'est les panneaux. Ici, on a un panneau, alors que veut dire ce panneau? C'est un panneau qui signale qu'on est hors agglomération, à 150 mètres. On aura une intersection, et à cette intersection, ce sera la règle de la priorité à droite qui s'applique. Donc en fait, on va voir une intersection bientôt, on n'est pas prioritaire, et ça forcément c'est interdit de dépasser à une intersection où l'on n'est pas prioritaire. Alors vous voulez me dire peut-être qu'en 150 mètres, on a le temps de dépasser, ça fait très juste pour dépasser, même un tracteur qui roule lentement. Donc comment l'intersection est bientôt, je ne dépasse pas. C'est vraiment très dangereux, et surtout si je dépasse forcément le tracteur, me cachera la visibilité. C'est un véhicule qui arrive à droite. C'est pour ça qu'il ne faut pas dépasser. Donc il faut être patient, on attend de passer l'intersection. Et après, si vraiment la visibilité est toujours bonne, je pourrais éventuellement dépasser. Mais pour l'instant, non, car je ne serai pas prioritaire. Donc, bonne réponse B. De nombreux cyclistes sont accidentés par l'ouverture sans regarder d'une portière. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Donc oui, malheureusement, on a beaucoup de cyclistes qui sont accidentés dans cette situation. Donc quelqu'un qui est en stationnement ouvre sa portière sans regarder son rétro ni son angle mort, ce qui est fatal malheureusement à plusieurs cyclistes. Donc oui, réponse A. Après un refus au contrôle technique, je dois faire les réparations dans un délai de 2 mois, réponse A, 4 mois, réponse B, 6 mois, réponse C. Alors, ce qu'il faut savoir, niveau de contrôle technique, donc le premier contrôle technique d'un véhicule, donc c'est au bout de 4 ans. Ensuite, on effectue ce contrôle technique tous les 2 ans. Donc forcément, au bout de 6 ans, 8 ans, etc. Donc voilà, ce qu'il faut savoir aussi, c'est si jamais on vend un véhicule d'occasion, Donc, si le véhicule est âgé de plus de 4 ans, le contrôle technique doit dater moins de 6 mois. Mais là, c'était pas la question. Donc, la question, c'est si jamais je passe mon véhicule au contrôle technique et qu'il est refusé, forcément, il va falloir, je le représente, j'ai un délai, en fait, de 2 mois pour effectuer les réparations. Donc, on a 2 mois avant de le représenter. Donc, bonne réponse A. Je circule à 80 km/h. Ma distance de sécurité est suffisante. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je ralentis. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, je circule à 80 km/h, donc ce n'est pas la vitesse maximale qui est autorisée. Donc, sur voie rapide ou sur autoroute, on ne sait pas trop sur quel type de route. Mais voilà, c'est une route à chaussée séparée par un interplein central. Donc, la vitesse minimum, en fait, ça va être 110 km/h. Après, si c'est une autoroute, là, ce serait 130. Mais là, donc, 110, à part si on a des panneaux qui précisent, par exemple, ça peut être limité à 90. Mais là, il n'y a aucun panneau qui ne précise la limitation. Donc, c'est chaussée séparée par interplein central. Comment savoir si on a une bonne distance de sécurité? C'est par rapport donc à la bande d'arrêt d'urgence. Donc ici, on en a bien une. Comment savoir si on a une bonne distance de sécurité? Il faut laisser 2 grands traits, donc entre moi et le véhicule que je suis. Donc là, on a même pas un trait. Donc même si je roule pas à la vitesse maximale autorisée, parce que plus on roule vite, plus il faut laisser la distance de sécurité inversement. Moins je roule vite, moins cette distance doit être grande. Même à 80 km/h, la distance là n'est pas suffisante. Donc non, et comme la distance n'est pas suffisante, bien sûr, je vais ralentir pour augmenter cette distance de sécurité. Alors attention, ralentir, ce n'est pas freiner. Forcément, si ça aurait été je freine, là ça aurait été non. Parce que j'ai un véhicule derrière moi, mais là je peux lever le pied. C'est-à-dire juste arrêter d'accélérer pour tranquillement augmenter cette distance de sécurité sans surprendre ni gêner le véhicule qui est derrière moi. Donc, bonne réponse B et C. Pour conduire un véhicule de près, le réglage du siège et des rétroviseurs est suffisant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, pour s'installer dans un véhicule de près, ou n'importe quel véhicule, c'est-à-dire en fait, c'est que la position de conduite n'est pas la nôtre, bien sûr, il faut effectuer tous les réglages. Alors, il y a quoi à régler? Donc, il y a le siège, donc profondeur, hauteur, le dossier et l'appui-tête. Donc les rétroviseurs, bien sûr, les 3, donc les extérieurs et l'intérieur, sans oublier aussi de régler le volant. Le volant, généralement, on peut le régler en hauteur et sur certains véhicules, on peut le régler en profondeur, c'est-à-dire le pousser ou le ramener vers soi. Donc là, on désigne le réglage du siège et des rétroviseurs. Donc non, il faut aussi ajuster le volant, surtout aussi pour avoir une bonne visibilité au niveau des compteurs. Est-ce que c'est suffisant? Donc non, il ne manquait le volant. Bonne réponse B. S'arrêter à la ligne de stop est utile si la visibilité est insuffisante. Oui, réponse A. Non, réponse B. Suffisante, oui. Réponse C. Non. Réponse D. Alors, un stop, donc il faut toujours s'arrêter au niveau de la ligne. Donc, c'est-à-dire, il faut que le devant du véhicule arrive sur la ligne, donc ne dépasse pas la ligne, mais avant, bien avancer jusqu'à la ligne. Par exemple, ce véhicule, s'il a arrêté ici, il a arrêté un petit peu trop tôt. Ce véhicule, par exemple, par rapport à sa ligne de stop, est arrêté trop loin. Si jamais il est arrêté, donc c'est utile dans les deux cas. On a une bonne visibilité ou une mauvaise visibilité, donc surtout forcément si on a une mauvaise visibilité. Il faut bien s'avancer, mais même si la visibilité est bonne, on s'arrête bien à la ligne du stop. C'est la règle, donc c'est utile dans les deux cas. Donc bonne réponse A et C. Les piétons représentent environ 5% des tués, réponse A. 15% des tués, réponse B. 30% des tués, réponse C. Donc ça, c'est des pourcentages. Donc les pourcentages, si on sait par cœur, tant mieux. Si on ne sait pas, forcément, c'est un petit peu difficile. Après, il y a la logique aussi qui peut un petit peu intervenir. Donc, 30% des tués, ça ferait un tiers des tués. Ça ferait beaucoup. C'est un petit peu de trop. Donc, les piétons représentent 15% des tués. Donc, bonne réponse B. Le véhicule derrière me fait des appels de phare. Je me rabats immédiatement à droite. Réponse A. Je reste dans cette voie en gardant la même allure. Réponse B. Je reste dans cette voie en accélérant. Réponse C. Alors ici, nous circulons donc sur une autoroute. Comment on peut le savoir? Donc déjà, on sait qu'on est en sens unique. Comme on le sait grâce à cette ligne blanche continue sur notre gauche. Ça signifie qu'on est en sens unique. Et deuxième indice aussi, on avait notre vitesse qui est affichée 129 km/h. C'est très proche de 130 km/h. Et à 130 km/h, on a uniquement le droit sur les autoroutes. Donc, on peut dire qu'on est à la vitesse maximale autorisée. Donc, le véhicule derrière nous fait des appels de phare. Pourquoi? On ne sait pas trop. Donc, est-ce que je me rabats immédiatement à droite? Donc, si je me rabats immédiatement à droite, la distance de sécurité ne va pas forcément être suffisante par rapport à ces véhicules. L'on peut supposer que si on est en train de dépasser, c'est qu'on roule plus vite que les véhicules qui sont sur notre droite. Mais que ce sera un petit peu dangereux de se rabattre tout de suite. Donc la seule solution, donc c'est mieux de rester dans cette voie. Là, en faisant quoi? Est-ce que je reste dans cette voie en accélérant? Si j'accélère, qu'est-ce qu'il va se passer? Je vais augmenter forcément mon allure et malheureusement, je vais être en excès de vitesse. Forcément, ce qui est dangereux, donc ce qu'il ne faut pas faire, donc la meilleure solution, c'est de rester dans cette voie en gardant la même allure. Puisque je suis à vitesse maximale autorisée, je ne peux pas rouler plus vite. Pourquoi? Il me fait des appels de phare. On ne sait pas peut-être que pour lui, on ne roule pas assez rapidement. Mais voilà, on a la vitesse maximale autorisée. De toute façon, s'il a envie de nous dépasser, il a une troisième voie. Donc voilà. Il ne faut pas rester sous l'influence des autres si on est dans son droit. On y reste, ce qui est le cas. Donc, on est à la vitesse maximale autorisée, on ne gêne pas. Donc, on ne peut pas continuer tranquillement notre dépassement. Donc, bonne réponse B. La ceinture de sécurité est obligatoire pour tous les trajets. Réponse A. Facultatif pour les courts trajets. Réponse B. Obligatoire à l'avant avec airbag. Réponse C. Obligatoire à l'avant sans airbag. Réponse D. Donc la ceinture de sécurité est forcément obligatoire, quel que soit le trajet. Même si c'est un trajet qui va durer 5 secondes, en 5 secondes, il peut se passer des choses. Donc même pour les courts trajets, donc ça va être obligatoire. Donc c'est obligatoire, bien sûr, pour tous les trajets. Donc oui, réponse A. Et c'est obligatoire donc à l'avant, c'est on a un véhicule qui est muni d'airbag. C'est pas parce que on a des airbags qu'on va pas mettre la ceinture. Les deux, donc forcément fonctionnent ensemble. Donc oui, c'est obligatoire si on a un véhicule qui est muni d'airbag. C'est obligatoire bien sûr si le véhicule n'a pas non plus d'airbag. Ça ne change rien. Donc bonne réponse A, C et D. Ce voyant s'allume. Il signale une perte d'adhérence. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je ralentis. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Alors ce voyant, donc s'il s'allume, ça veut dire que l'ESP s'enclenche. Qu'est-ce que c'est l'ESP? C'est le contrôle de trajectoire. Et donc il tient compte aussi, et il utilise aussi ce qu'on appelle l'antipatinage. Donc oui, si ce voyant s'allume, c'est qu'on a une perte d'adhérence. Alors justement, comme on n'a pas une bonne adhérence, bien sûr, on va ralentir. Donc bonne réponse A et C. J'ai une bonne distance de sécurité. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Donc ici, nous nous trouvons dans un tunnel. Donc dans un tunnel pour savoir si on a une bonne distance de sécurité. Forcément, si le tunnel on est équipé, c'est les diodes bleues. Donc, comment savoir si on a une bonne distance de sécurité? Donc, entre moi et le véhicule, il faut laisser 2 diodes bleues. Alors, est-ce que ici on a 2 diodes bleues entre moi et ce véhicule? Donc non. Donc ici on a une diode bleue sur la droite et on n'aperçoit pas l'autre diode. On peut aussi le voir par rapport à gauche. On a une diode ici. Et la deuxième, on voit bien qu'il est beaucoup plus loin que cette voiture jaune. Donc, comme on n'a qu'une diode entre nous, deux, la distance de sécurité n'est pas suffisante. Donc, bonne réponse P. Pour quitter le stationnement, j'allume immédiatement le clignotant. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je dois contrôler l'angle mort avant de m'engager. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Alors avant de s'insérer, de quitter un stationnement, qu'est-ce qu'il faut faire forcément? Il faut s'assurer qu'il y ait personne qui arrive derrière nous. Donc ici, on va pouvoir regarder dans le rétro forcément. Et on aperçoit un véhicule qui arrive derrière nous. Donc on va pas s'engager tout de suite. Donc du coup, comme on ne s'engage pas immédiatement, on n'allume pas immédiatement le clignotant. Pourquoi? Parce que si jamais j'allume mon clignotant, qu'est-ce que peut penser cet usager? Il peut penser que je ne l'ai pas vu et que je risque de m'engager tout de suite. Donc je risque de lui faire peur. Donc pour éviter ça, je n'allume pas le clignotant. De toute façon, il n'y a pas d'intérêt. Je l'allumerai uniquement quand je pourrai m'engager. Donc tout de suite, je ne mets pas le clignotant. Je dois contrôler l'angle mort avant de m'engager. Donc oui, le contrôle du rétro, vous voyez, on voit juste ce qui se passe au loin, donc derrière nous, mais on ne va pas savoir ce qui se passe juste à côté de nous. On ne sait jamais, là on peut avoir un cycliste, un moment qui est juste à côté de nous, dans le coin du rétro. Donc oui, il faut contrôler le rétro, plus en tournant la tête. Angle mort pour voir juste à côté de nous ce qui se passe. Donc bonne réponse, B et C. Les parcs relais sont généralement situés en centre-ville. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors les parcs relais, donc à quoi ça sert? C'est des parkings pour justement garer notre véhicule, accéder au centre-ville avec l'aide des transports en commun. Donc les bus, les tramways, les métros, etc. Donc ils sont forcément situés en périphérie des villes, c'est-à-dire en dehors des villes, justement pour accéder ensuite au centre-ville. Mais sans prendre sa voiture, donc ils ne sont pas situés en centre-ville. Donc bonne réponse, B. En panne dans un tunnel, le conducteur doit allumer les feux de détresse, réponse A, rejoindre une issue de secours, réponse B, rejoindre une niche de sécurité, réponse C, appeler un dépanneur depuis son téléphone, réponse D. Alors, lorsque nous sommes en panne dans un tunnel, donc forcément, il faut s'arrêter. On n'a pas le choix. Donc, bien sûr, on va allumer les feux de détresse pour prévenir ceux qui arrivent derrière nous et même éventuellement ceux qui arrivent en face qu'on est arrêté, qu'on est en panne. Donc, oui, on allume les feux de détresse. Alors, ensuite, qu'est-ce que je fais? Je vais alors... je vous rappelle les musées de secours, à quoi ça sert? Ça sert à sortir du tunnel. Donc, quel est l'intérêt de sortir du tunnel? Donc, en cas de panne, il n'y a pas trop d'intérêt. Justement, il faut attendre le dépanneur pour qu'il vienne me dépanner. Il va falloir être là. Donc, ça ne sert à rien de sortir du tunnel et d'aller beaucoup plus loin. Donc, on utilise une issue de secours lorsqu'il y a un incendie dans le tunnel. Là, quand il y a un incendie, forcément, là, il faut sortir du tunnel. Donc, on va plutôt rejoindre une niche de sécurité. Qu'est-ce que c'est une niche de sécurité? C'est une petite pièce qui va nous servir à nous protéger de la circulation dans le tunnel. Parce que vous voyez, les trottoirs ne sont pas très larges. C'est assez dangereux de rester sur un petit trottoir comme ça, avec la circulation dans un tunnel. Donc au moins dans la petite pièce, dans la niche de sécurité, justement en sécurité par rapport à la circulation. Et dans cette niche de sécurité, on va trouver un poste d'appel d'urgence, justement pour éventuellement appeler un dépanneur. Donc on ne va pas appeler justement un dépanneur depuis son téléphone portable. Donc déjà parce que les téléphones portables ne passent pas dans les tunnels. Mais aussi avec le poste d'appel d'urgence, au moins ils vont le situer, ils vont savoir précisément où on est. Donc j'allume les feux de détresse. Et on rejoint une niche de sécurité. Donc, bonne réponse A et C. Je peux suivre cette moto qui dépasse. Oui, réponse A. Non, réponse B. Donc ici, nous sommes soit sur une autoroute ou soit sur une voie rapide, on est en sens unique. Comme on le sait, grâce à cette ligne blanche continue sur la gauche. À partir qu'on a une ligne blanche continue sur la route, on est forcément en sens unique. Donc même si on ne voit pas ce qui se passe, bien sûr, il n'y a pas de danger de continuer le dépassement. La ligne me l'autorise, mais ce qu'il faut aussi avant de changer de voie, c'est vérifier qu'il n'y ait personne derrière nous, sur cette voie gauche. Comment on peut le vérifier? Grâce au rétroviseur. Forcément, donc dans le rétroviseur intérieur, on peut voir qu'on a un camion jaune qui nous suit. Il est derrière nous, mais on a cette petite voiture bleue qui est en train de dépasser ce camion jaune. Et comme ce véhicule est en train de dépasser, forcément il va rouler plus vite que nous qui circulons dans la voie la plus à droite. Donc comme ce véhicule arrive pour l'instant, je ne peux pas passer dans la voie de gauche et justement suivre cette moto qui dépasse. Par contre, il n'y aura pas eu, ce véhicule bleu. J'aurais pu me positionner dans la voie de gauche et à cause du véhicule, je ne suis pas cette moto. Donc, bonne réponse B. Je dois laisser passer ces piétons qui ne sont pas encore engagés sur le passage protégé. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Alors, la règle par rapport aux piétons, s'ils veulent traverser, donc déjà, c'est sont engagés sur la chaussée, donc ils sont prioritaires. Alors, je vous rappelle qu'il y a un passage pour piétons ou pas, ils sont prioritaires. Dès qu'un piéton est engagé sur la chaussée, forcément, il faut le laisser passer. Donc voilà, soit le piéton est déjà engagé, ou alors il n'est pas encore engagé, mais il manifeste clairement son intention de s'engager. Alors, est-ce que ces piétons ont l'air de vouloir traverser? Ils sont en train de nous regarder et ils sont en train d'avancer justement vers ce passage protégé, ce passage pour piétons. Donc là, on peut dire qu'ils manifestent clairement leur intention de s'engager. Donc, ils sont bien sûr prioritaires. Je dois les laisser passer. Donc, bonne réponse A. Sur les lieux d'accident, je dois alerter les secours et donner mon adresse, réponse A, mon numéro de téléphone, réponse B, le nombre de victimes, réponse C. Alors, sur le lieu d'un accident, donc, bien sûr, il va falloir appeler les secours, les contacter. Donc, quelle information on doit donner? Donc, forcément, les lieux de l'accident. Alors, mon adresse, donc ça, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas d'utilité au secours d'avoir notre adresse. Par contre, notre numéro de téléphone, donc oui, ça faut le donner. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on a raccroché, ça se trouve que ce soit nous ou les secours ont pu oublier une information. Donc, c'est pour qu'ils puissent me rappeler. Au cas où, s'ils auraient besoin, parce qu'on pense toujours pas, mais des fois, on peut appeler un appel masqué. Et forcément, là, les secours ne peuvent pas avoir automatiquement notre numéro de portable. Donc, bien fournir, bien sûr, notre numéro de téléphone, pour si jamais ils ont besoin de nous recontacter. Et bien sûr, le nombre de victimes, donc pour savoir quels moyens les secours doivent amener. Donc forcément, pour secourir, forcément, ils ne vont pas déployer les mêmes moyens pour juste une victime, que si par exemple, on a une dizaine de victimes. Donc dans la réponse, il va falloir mettre le numéro de téléphone et le nombre de victimes. Donc bonne réponse B et C. En cas de fort ralentissement, le risque de voir circuler des motos en interfile existe uniquement dans certains départements. Réponse A. Dans tous les départements. Réponse B. Alors, la circulation interfile, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les motards circulent entre les fils des véhicules normaux, par exemple les voitures. Alors, dans certains départements, donc ça c'est autorisé. Par contre, voilà, dans toute la France, ce n'est pas forcément autorisé. Il est juste que dans certains départements, comme par exemple la région de l'Île-de-France. Là, c'est autorisé, mais dans d'autres départements, ce n'est pas forcément autorisé. Alors, est-ce que c'est parce que ce n'est pas autorisé que le risque n'existe pas? Forcément, non. Donc, bien sûr, le risque existe dans tous les départements. Même si les motards n'ont pas le droit de faire ça, le risque existe quand même. Donc, même si on se trouve dans un département où ils n'ont pas le droit, il faut quand même surveiller les rétros au cas où justement qu'il y ait un motard qui passerait en interfile. Donc le risque existe dans tous les départements. Donc réponse B. Ce conducteur a raison de s'engager. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Alors ici, nous avons un feu tricolore temporaire. Temporaire, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas là tout le long de l'année. Donc c'est juste pour une certaine durée. Donc forcément, quand il y a des travaux, donc ce feu tricolore, alors on appelle ce feu tricolore temporaire, mais en fait, il a que deux couleurs. On a trois feux, mais on a vraiment que deux couleurs. Donc on a le rouge tout en haut, on a l'orange clignotant qui nous dit donc de passer, qui remplace habituellement le feu vert. Alors pourquoi l'orange clignotant? C'est-à-dire qu'on a le droit de passer, mais en faisant attention. Et comme un feu normal, on a un orange fixe au milieu. Donc justement là, on est à l'orange fixe au milieu. Qu'est-ce qu'il faut faire quand c'est l'orange fixe? Il faut bien sûr s'arrêter. Donc ce conducteur n'a pas raison de s'engager. Il aurait dû s'arrêter puisqu'il va bientôt passer à l'orange. Même si lorsque il passe le feu est toujours à l'orange et n'est pas en rouge, mais à l'orange on doit s'arrêter. Si on peut s'arrêter en sécurité. Donc le conducteur a raison de s'engager, non, et il aurait dû s'arrêter à l'orange. On s'arrête. Réponse B. Après une fête, un jeune conducteur doit renoncer à raccompagner ses amis s'il a consommé de l'alcool. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. S'il a fumé du cannabis. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Donc ça, je pense tout le monde le sait. Donc est-ce qu'on prend le volant qu'on a consommé de l'alcool? Donc non. En plus, pour les gens conducteurs, même si on prend qu'un verre, d'alcool, on risque déjà d'atteindre et de dépasser le taux légal. Et je vous rappelle, pour un jeune conducteur, il ne doit pas atteindre 0,20 de le sang, ce qui correspond à un verre d'alcool 12 bars. Donc pour les jeunes conducteurs, c'est 0 alcool. Donc ce conducteur doit renoncer à accompagner ses amis. Donc bien sûr, oui, il a consommé de l'alcool et forcément, oui, aussi s'il a consommé du cannabis. Donc, bonne réponse A et C. Des amortisseurs usés influent sur la stabilité du véhicule. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Allonge les distances de freinage. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Donc les amortisseurs, donc c'est cette pièce là. Donc, pour simplifier, c'est une sorte de ressort qui sert donc surtout à que la roue soit toujours, surtout le pneu soit toujours en contact avec la route, avec le sol. C'est-à-dire s'il y a une bosse, il faut que le pneu décolle entre guillemets. Il faut toujours qu'il soit en contact avec le sol. Et forcément donc une meilleure tenue de route. Donc si les amortisseurs sont usés, est-ce que ça influe sur la stabilité du véhicule? Donc oui, bien sûr. Et est-ce que ça allonge la distance de freinage? Oui aussi, comme je viens de vous dire, si le pneu n'est pas en contact avec le sol, on a beau freiner, forcément ça va rien faire. Donc c'est pour ça, les amortisseurs ne sont pas usés, on aura une meilleure distance de freinage, que c'est forcément la roue par exemple décolle sur des bosses. Donc oui, dans les deux cas, on réponse A et C. Le régulateur adaptatif garde automatiquement une distance de suivi avec le véhicule précédent. Oui, réponse A. Non, réponse B. Donc le régulateur de vitesse, donc je vous rappelle qu'est-ce que c'est. C'est on programme une vitesse, une allure et le véhicule va tout seul rouler à l'allure indiquée. Par exemple, on pourrait mettre à 80 km/h. Alors par contre, on a des régulateurs adaptatifs, c'est-à-dire qu'ils vont détecter le véhicule qui se trouve en face de nous et toujours garder une bonne distance de sécurité. Toujours 2 secondes. Du coup, forcément, ça va agir. Si on arrive plus vite que le véhicule qui est devant, ce qu'on appelle le véhicule précédent, donc forcément, ça va automatiquement baisser l'allure du véhicule pour garder cette distance de sécurité. Ce qu'on peut appeler aussi une distance de suivi. Donc oui, ça garde automatiquement cette distance de suivi. Donc oui, réponse A. Dans les grandes agglomérations, les transports en commun permettent de se déplacer plus rapidement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors dans les grandes agglomérations, donc bien sûr, on a souvent des embouteillages aux heures de pointe. Dans ces cas-là, forcément, les transports en commun permettent de se déplacer plus rapidement. Regardez, les véhicules, les automobilistes, même les motos sont bouchés. Alors que par exemple, la voie réservée aux bus, aux transports en commun, elle est libre. Donc forcément, un bus ira beaucoup plus vite que les usagers qui sont dans l'embouteillage. Donc oui, on peut se déplacer plus rapidement lors des grands embouteillages. Donc oui. A. Je tiens compte les indices dans la zone A, réponse A, zone B, réponse B. Je maintiens mon allure. Oui, réponse C, non, réponse D. Alors, lorsqu'on conduit, donc il faut tenir compte forcément de tous les indices qu'on voit autour de nous. Et surtout les indices qui sont mobiles, qui bougent. Forcément, parce que ça peut changer de trajectoire, de comportement. Forcément, les objets fixes, ça reste fixe. Ça va pas nous surprendre. Donc ici, sur cette image, qu'est-ce qui est mobile? Qu'est-ce qui bouge? Donc forcément, c'est le véhicule qu'on suit. Pourquoi? Il faut y faire attention. Parce que si un coup il se met à freiner, il va falloir qu'on freine aussi à notre tour. Mais aussi bien sûr les piétons. Donc ces piétons, donc pour l'instant, ils prennent cette direction, mais tout d'un coup, ils peuvent changer de direction et se mettre à traverser ici. Donc bien sûr, je tiens compte des indices dans les deux zones, donc A et B, et forcément comme il y a un danger potentiel, comme je viens de vous dire, le véhicule a pu tout un coup freiner, ces piétons peuvent tout un coup changer de direction. Donc je ne vais pas maintenir mon allure, je vais ralentir pour être plus prudent. Donc bonne réponse A, B et D. Ce vélo est correctement installé. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, le vélo, on peut l'installer donc à peu près où on veut, que ce soit sur le toit de voiture ou même comme ici derrière. Par contre, si on installe derrière, il faut veiller à deux choses. Première chose, que la plaque d'immatriculation soit bien lisible. C'est une obligation, ainsi que les feux doivent être aussi bien visibles. Forcément, si jamais on freine, on a un clignotant, etc. Donc là, ce qui n'est pas le cas, le vélo masque la plaque d'immatriculation ainsi que les feux. Donc cet automobiliste devrait rajouter une plaque ainsi qu'avec des feux. Donc ce vélo, même s'il est très bien attaché, voilà, l'installation n'est pas terminée. Il faut rajouter une plaque et des feux. Donc correctement installé, donc non. Réponse B. Ma vitesse sera limitée à 30 km/h. Si je tourne dans la rue à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Cette limitation s'applique aux automobilistes, réponse C. Aux cyclomoteuristes, réponse D. Alors ici, on a une limitation de vitesse à 30 km/h. Alors attention, il ne faut pas confondre ce panneau. Juste une simple limitation de vitesse à 30 km/h avec un panneau de zone. Alors je vous rappelle, le panneau zone, c'est le panneau carré. Donc la différence, c'est que cette limitation s'applique uniquement dans cette rue jusqu'à qu'on ait le panneau fin de limitation à 30. Donc, qu'on tourne à gauche, qu'on tourne à droite. Là, c'est une limitation. Donc, elle ne s'applique pas dans les autres rues. Donc, forcément, là, je vais être limité à 30. Et si jamais après, je tourne dans cette rue, à droite, sauf indication contraire, ma vitesse sera de nouveau limitée à 50 km/h. La vitesse normale en ville, donc voilà, il ne faut pas confondre les deux. Donc là, si je tombe dans la rue à droite, je serai de nouveau limité à 50, puisque ce panneau s'applique uniquement pour cette rue. Donc non, je ne serai pas limité à 30 si je prends de la rue à droite. Par contre, donc cette limitation de vitesse s'applique à tout le monde, donc aux automobilistes et aux cyclomoteuristes. Donc je vous rappelle, les cyclomoteuristes, c'est ceux qui conduisent donc les cyclons. Par exemple, les scooters, les 50 cm3. Donc, ça s'applique forcément à tout le monde. Donc, bonne réponse, P, C et D. Dans cette situation, je chevauche la ligne centrale. Réponse A, je roule au centre de ma voie. Réponse B, je serre à droite. Réponse C. Alors, ici nous arrivons dans une rue où on a des piétons de chaque côté. Donc un piéton sur la droite et un groupe de piétons sur la gauche. Alors ici donc, comment on va faire? Donc, est-ce qu'on va chevaucher la ligne ou rester au centre de sa voie? Ou bien on serre à droite? Donc serrer à droite, donc non. puisque ce piéton s'il passe sur la chaussée, oui, il est très proche de la fin du trottoir. Donc, il faut vraiment se laisser un espace de sécurité. Donc, je vous rappelle, en ville, il faut laisser au minimum 1 mètre. Donc, on ne va pas serrer le trottoir. Rester au centre de sa voie, si je reste au centre de ma voie, justement, je ne vais pas laisser l'écart qu'il faut. Donc là, je vais plutôt bien rester à peu près où on est pour l'instant. Je chevauche tranquillement la ligne. Donc là, même si je chevauche un petit peu, je ne vais pas non plus passer trop proche des piétons qui se trouvent sur la gauche. Donc là, l'idéal, c'est de chevaucher légèrement la ligne pour passer loin du piéton à droite et loin du piéton à gauche. Là, il n'y a pas de danger de chevaucher la ligne puisque aucun véhicule arrive en face. Donc la meilleure solution ici, c'est de chevaucher la centrale. Réponse A. Dans cette situation, je chevauche la ligne centrale. Réponse A. Je roule au centre de ma voie. Réponse B. Je serre à droite. Réponse C. Alors, pour calculer la distance de sécurité, donc je vous rappelle un calcul rapide. On va prendre le chiffre des dizaines de la vitesse et on va le multiplier par 3. Donc 3 fois 5, ça nous fait 15. Qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne la distance qu'on parcourt pendant 1 seconde. Par contre, la distance sécurité, c'est 2 secondes. Donc ce nombre, il va falloir le multiplier par 2. Donc 15 fois 2, ça nous donne 30. Donc à 50 km/h, il faut une distance de sécurité de 30 mètres. Donc déjà, il fallait savoir faire ce petit calcul. Ensuite, sur la photo, repérer la distance qu'on a. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que entre chaque petit trait, ici qu'on a un très grand espace, on a un intervalle de 10 mètres. Donc là, si on compte, on a 2 intervalles. Donc là, on a une distance entre le véhicule, ce camion de 20 mètres environ. Donc forcément, à 50 km/h, on n'a pas une bonne distance de sécurité. Il nous faut encore une bonne dizaine de mètres. Donc forcément, comme la distance sécurité n'est pas suffisante à 50, elle ne sera pas non plus suffisante à 80 km/h. Puisque je vous rappelle, plus on roule vite, plus la distance doit être longue. Puisqu'on parcourt plus de distance en 2 secondes. Donc bonne réponse, P et D. Les conducteurs confirmés sont limités à 90 km/h. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Les conducteurs novices sont limités à 90 km/h. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Donc ici, nous sommes sur une chaussée à sens unique, comme on peut le savoir. Donc on a 2 indices ici. Donc déjà, toujours l'indice le plus important entre guillemets, cette ligne blanche continue sur notre gauche. Je vous rappelle, donc si il est continu, on n'est pas forcément en sens unique. Là, on a des panneaux de chaque côté. Si on a des panneaux de chaque côté, ça veut dire qu'on est en sens unique. Donc, sur les chaussées à sens unique, la vitesse est au minimum limitée à 110 km/h. Là, on parle pour les conducteurs confirmés. Éventuellement, si on est sur autoroute, ce sera 130 km/h. 90 km/h, c'est donc au 80, c'est pour les chaussées donc à double sens de circulation. Donc là, comme on est en sens unique, donc la vitesse, on va parler pour les conducteurs confirmés. Il sera un minimum, sauf l'indication contraire, limité à 110 km/h. Donc là, par contre, on a une indication contraire. Ici, on ne précise que c'est limité à 90 km/h. Donc sûrement pour ce virage dangereux. Donc au lieu de 110 au lieu de 110 km/h. Pour les conducteurs confirmés, ça va bien être à 80 km/h. Donc réponse A. Donc, pour les jeunes conducteurs, les conducteurs novices. Donc, au lieu que ce soit normalement 110, je vous rappelle, les jeunes conducteurs, c'est limité, c'est rabaissé à 100 km/h. Donc la vitesse est déjà rabaissée. Donc si on a une limitation qui est encore en dessous, la limitation va s'appliquer pour tout le monde. Comme par exemple, donc sur les routes normales, si on a une limitation à 70 km/h, c'est 70 pour tout le monde, pour les conducteurs confirmés ainsi que pour les conducteurs novices. D'accord? Donc quand on a une vitesse rabaissée, c'est pour tout le monde. C'est vraiment les limitations de vitesse quand ils sont très élevés, les limitations normales où les conducteurs novices ont une vitesse rabaissée. Donc la loi, j'enlève le 10 km/h en dessous. Ça, c'est pas bon. Il faut pas appliquer cette loi partout pour les conducteurs novices. Donc la même, les conducteurs novices seront limités aussi à 90 km/h. Une fois qu'on aura plus de limitation à 90, les conducteurs novices repasseront à 100 km/h si c'est une voie rapide. Si c'est une autoroute, ce sera limité à 110 km/h pour les gens conducteurs. Donc, mon réponse A et C. Cette vidéo a été coupée car elle était trop longue. Pour compléter la vidéo, vous trouverez sa suite dans la description ou cliquez ici.